22 novembre 2010, il est 22h, posé dans ma chambre. Ces derniers jours, j'ai beaucoup réfléchi à ce que je pourrais t'offrir pour ton anniv, pas. Chaque année, c'est la même chose, un bled cadeau pour te montrer que je t'oublie pas. Mais cette année, il faut innover. De toute façon, il ne reste plus que 2 heures avant ton anniv. Donc plus trop le choix, faut que j'écrive. Et ok. Salam mon petit papa, je te demande comment tu vas. Même si rien ne va, tu me répondras alhamdulillah. J'écris ce petit texte parce que je me suis rendu compte qu'un père comme toi se fait très rare d'après ce qu'on me raconte. Beaucoup de darons quittent leur maison pour un oui ou pour un non, en laissant derrière eux des gosses en manque de compréhension. Toi t'as eu beaucoup d'occasions de tout claquer et de partir, mais rien que pour nous t'as préféré encaisser, garder le sourire. Toujours là pour me conseiller, me montrer le chemin à suivre, tout en faisant en sorte de pas être à l'encontre de mes désirs. Je fais de mon mieux pour t'embrasser tous les jours et te prendre dans mes bras, car je sais qu'un jour je te chercherai, mais tu ne seras plus là. J'ai bientôt 19 ans, je suis peut-être un peu grand, mais je te le dis quand même, que tous les mots du monde sont insuffisants pour dire à quel point je t'aime. Prends ce petit texte comme un cadeau, j'espère qu'il va te plaire. Tout ça pour te souhaiter un très très bon anniversaire. Juin 2011, en mode costard cravate pour ton mariage, Sarah. Tu voulais un discours? Ok, mais je me permets de le faire à la whitesse. Grande sœur Sarah, te voilà déjà âgée de 23 ans, prête à te marier au bras d'Abdelmounem, ton prince charmant. Une histoire hors du commun qui dure depuis bientôt 10 ans. Le 3 juillet 2001, voilà la date du commencement. Qui aurait pu croire qu'à l'âge de 13 ans tu trouverais ton âme sœur, et à qui tu n'auras pas hésité à donner ton cœur. En le connaissant et en vous voyant, je pense t'as fait le bon choix. C'est pourquoi je sais déjà qu'Inch'Allah ça durera. Face à un aussi beau couple, on ne peut être qu'en admiration, car pour moi malgré les hauts les bas, vous frôlez la perfection. Sincérité, fidélité, honnêteté, complicité, simplicité, des termes qui font de vous le couple à envier. Envie de crier, y'a rien à dire, vous êtes magnifique. Et je pense qu'ils sont tous d'accord dans ce beau public. Je vais clôturer en vous souhaitant du plus profond de mon cœur une bonne continuation et que vous viviez un pur bonheur. Bonheur. Du fond du cœur. Gros.